Nous voici à la troisième édition du Salon Art et Habitat dans le parc du domaine de Dampierre. Nous sommes ravis que Pascal Tévard nous ait renouvelé sa confiance. Le domaine a été fermé au public pendant une quinzaine d'années et il est important pour nous que les gens, les habitants du territoire, de la vallée de Chevreuse et des Yvelines reprennent contact avec le domaine de Dampierre. Et donc on rythme nous toute l'année des événements. Aujourd'hui c'est Salon Art et Habitat, au printemps c'était la première de Salon Art et Jardin et nous avons d'autres événements que nous organisons ou que nous accueillons pour faire vivre Dampierre. L'idée est toujours de créer du lien entre les habitants de la vallée de Chevreuse, les artisans, les professionnels de l'artisanat et aussi nos artistes. Le salon accueille une centaine d'exposants. Durant tout le week-end, il y a de nombreuses animations et des concerts. Un service de voiturette électrique est mis à disposition pour les personnes à mobilité réduite afin de parcourir les 300 hectares du parc. Le salon Art et Habitat permet aux artistes de faire sortir les œuvres de leurs ateliers, ce qui permet aux visiteurs de les découvrir dans cet environnement magnifique. Cette année, nous avons étoffé nos animations pour les petits et les grands. Il y a des jeux en bois géants et puis une maquilleuse qui sera là. Nous avons aussi des artistes qui nous proposent des animations sensorielles et puis un graffeur, un artiste graffeur qui est assez impressionnant aussi. Le cadre du domaine de Dampierre est magnifique, c'est très agréable. Les commerçants sont très gentils, il y a une très bonne ambiance. On retrouve l'aspect village, tu vois, où ça a été très, très sympathique, tout le monde se connaît. Ouais, bon souvenir et bon week-end, excellent week-end.